Amis guitaristes, bonjour. Aujourd'hui, on répare une MXR Fat Driver. Cette pédale est inspirée de la Tube Driver de BK Butler, un truc mythique qui utilise une lampe 12AX7 pour générer de la saturation. Alors bien sûr, vu qu'elle tourne sur 12 volts à l'origine, cette pédale, il faut utiliser un amplificateur opérationnel ou deux pour le pousser un petit peu dans ses retranchements. Puis niveau conception, c'est vrai que l'idée de mettre un transformateur juste devant le foot switch d'entrée, c'était pas une bonne idée pour garder un niveau de bruit correct. Oui, ça marchait sur secteur. Il y a eu beaucoup de versions de cette pédale, elle a même été intégrée dans des amplis de la marque. Et Butler a fait pas mal de recherches sur des designs hybrides, notamment sur des amplis de puissance qui utilisent des 12AX7 et des transistors de puissance en même temps pour essayer de conserver un minimum de grain en ampe. Alors bien sûr, c'est pas ça, puisque ça n'est pas non plus resté dans l'histoire, mais il a fabriqué ce genre de choses et conçu pas mal de circuits, donc niveau recherche, c'est pas mal intéressant. La Fat Driver, c'est basé sur la Tube Driver avec les mêmes contrôles, Drive, Low, High et Level, un bouton High Cut qui fait quasiment rien, on entendra. Et cette pédale a la même structure de gain que la Tube Driver originale, mais elle remplace les lampes, la lampe 12AX7, les deux triodes, par deux MOSFET à déplétion, les fameux LND 150, il me semble, qui sont en gros une référence pas chère, qui marche bien, qui remplace à peu près les lampes. Donc ça a un son différent, et on va écouter ça tout de suite. Enfin, vous vous rendrez compte que c'est pas si simple. Merci encore à Mathéo pour ce colis que je suis en train de détruire complètement afin de réussir à l'ouvrir et d'en extraire la pédale. C'est vrai que t'as mis du gaffer, ça aide pas vraiment, on va pas se mentir. Hop. Puis les boîtes JLC comme ça, elles sont pas très adaptées au transport, ça fera l'affaire hein, malgré tout. Je pense que la pédale à l'intérieur n'a pas de problème, enfin pas plus que ce qu'elle avait lorsque tu me l'as envoyé quoi. De toute façon l'objectif c'est de la réparer. Et éventuellement, soit de la garder si j'aime le son, soit de la revendre si je ne l'aime pas. Alors, un peu de bruit de fond, j'ai des motos qui passent derrière, je suis désolé, mais il fait beaucoup trop chaud. Je vois qu'on se partage des petites cartes, donc du coup je vais en rajouter. Pour la promo, je savais pas Météo que tu étais avec la Stel justement. Donc la Stel, fabricant de pédales d'effet boutique français qui est assez récent il me semble, ils ont déjà quelques produits, allez voir ça, moi j'ai vu ça, ça a l'air plutôt cool, donc j'ai pas testé leurs produits, j'ai juste trouvé que c'était pas mal, et puis là on va voir ce qu'on a, donc voilà la MXR Fat Driver. Oula, donc oui effectivement là on reconnaît la couleur déjà de la Tube Driver d'origine, sauf qu'ici on n'a pas des lampes, on a des JFET, des MOSFET. J'ai vu le schéma sur internet. On va regarder un petit peu. Donc là, il me manque les rondelles sur le côté. Alors, est-ce que j'en ai en rab par hasard? Donc, une ici. Une là. Super. Est-ce que j'ai les têtes qui vont avec? Je ne pense pas. Ça, c'est moins fun. Mais de souvenir, les mixeurs n'utilise pas. Ils ont juste un anneau autour, donc ça rentrera sans trop de soucis. Il me faudrait juste les deux têtes, donc au pire je sacrifierais deux jacks. J'ai une tête là, voilà, j'ai du bol. Donc là j'ai en gros les deux parties qui manquent pour refermer proprement la pédale, donc ça déjà c'est plus un problème. Alors forcément, c'est très pratique le velcro pour les pédalboards, mais c'est salissant et ça permet d'enlever la peinture aussi sur les pédales suffisamment vieilles. Coucou ma pauvre Colorson qui est passée par là. Hop. Donc là, je vais retirer les deux vis que nos amis de MXR avaient placées. On va voir tout de suite à l'intérieur s'il y a des composants cramés ou pas. Voilà, ça c'est mon sachet de vis de remplacement pour les boîtiers ou parfois j'ai pas les vis. Donc c'est pratique d'en avoir quelques-unes. Parce qu'à chaque fois, taille d'électronique, ils oubliaient de mettre les vis. Donc j'ai pris un lot de 16, comme ça j'étais sûr d'en avoir suffisamment. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc on a une section d'alimentation ici qui est très complète. Alors c'est du tout petit SMD. Si la lime est morte, c'est par là que ça se joue, clairement. On va voir s'il y a un problème à ce niveau-là. On a le fameux switch habituel de nos amis. Je regarde, on a
des transistors MOSFET avec leur bias à eux. Et de ce côté-là, j'arrive pas à voir ce que c'est. 4558. Ok, donc on a un op-amp 4558 à cet emplacement-là. Donc on a level, high, low, drive. Le même contrôle que sur la tube driver originale. Plus un high cut qu'on peut enclencher ou non. Là, on va regarder si avec une pile, la pédale s'allume ou pas. Non. Est-ce qu'il faut un jack de brancher? Non. Donc là, c'est même pas la peine d'essayer. On est sûr et certain que la section de puissance est morte à l'intérieur. La question, c'est de déterminer pourquoi. Donc, pour regarder ça, je vais ouvrir entièrement la pédale. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur de l'autre côté. Donc on a bien les jacks habituels, le switch, les contrôles viennent se placer par-dessus et puis il y a 2-3 trucs qui sont montés dessus. L'avantage c'est qu'en fait, les 3 quarts du circuit est en traversant donc on peut le modifier. Le reste, malheureusement, l'alimentation ne l'est pas. Donc je ne sais pas trop par où commencer mais je vois que c'est pas un super bon état par ici. Alors je vois D1. D1, est-ce que ça serait la diode qui empêche le système de fonctionner? Donc, je vais passer en mode diode sur mon multimètre. On va tester ça tout de suite. J'ai 200 ohms par là. Ok, c'est possiblement une diode Schottky. Si c'est le cas, bah pas de souci, j'en ai de rechange. Pas dans ce format-là, malheureusement, mais c'est pas très très grave. Je vois qu'il y a des tentatives de réparation sur la pédale. Donc, bonne question de savoir pourquoi est-ce que c'est... Là, j'ai l'impression que la soudure de la LED, là, elle est bof bof quand même. Alors, à quoi est connectée la LED? Je vais me sortir le schéma de freestormboxes.org. Voilà le schéma, pardon, je me suis trompé, en fait je le trouve sur le site, mais c'est du pédale PCB à l'origine. Donc il y a 2-3 trucs déjà qui me chiffonnent. Dans le schéma de la MOSFET driver de pédale PCB, ce sont des BS170 qui sont utilisés. Or, sur cette pédale-là, moi, ce que je lis, c'est pas du tout ça, c'est SILND150. Et les LND150, de souvenir, ce sont des transistors à déplétion. Donc je ne sais pas si c'est vraiment comme ça que c'est foutu. D'ailleurs, on remarquera qu'ils ont un bias de 1 kΩ, alors que moi, j'ai des bias de 50 kΩ. Donc le schéma correspond pas exactement. Par contre, c'est pas impossible que la structure globale corresponde. Bon, il manque des LED, il manque ce genre de truc, donc le schéma est clairement faux par rapport à ce qu'il y a sur freestormboxes.org, mais c'est déjà un début, donc je peux essayer de me rebaser là-dessus. Alors la section de puissance là-dedans a rien à voir avec celle-là, puisque là on est sur une anime à découpage, mais bon, je peux toujours essayer de m'en inspirer, ça me donnera une base. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est voir si j'ai 9 volts qui rentrent quand j'en sers une pile. J'ai 9 volts ici, ça c'est bon. Donc là, je viens de retirer la diode Schottky CMS. Donc si vous n'avez pas de canon à air chaud, moi j'en ai un mais je ne l'ai pas utilisé pour le coup, parce que je fais ça surtout sur les grosses sections, vous avez juste à alterner de pad en pad assez rapidement, sans vous flinguer le circuit bien sûr. Et elle finira par tomber toute seule. Connexion masse, on va tenter ça et ça. Ouais, c'est ça. Ok, donc en fait c'est normal de ne pas avoir de trucs. Voyons si la Schottky fonctionne en dehors du circuit. Dans un sens, c'est 188. Ça c'est bon. Dans l'autre, j'ai rien. Donc ça, je pense que c'est correct. Alors la question c'est, est-ce que ça s'allume si je retire la Schottky? Non. Ici, j'insère un jack. Dans l'entrée. Non plus. Il y a quelque chose qui est vraiment mort à l'intérieur. Je vais gentiment replacer la diode. On me dit, ouais, il y a une pédale qui est morte. La première chose que je vérifie, c'est tout ce qui concerne l'alimentation, hein, toujours. Toujours bien nettoyer les circuits quand on fait des opérations.
Là, je vais me sortir un petit peu d'isopropanol. Donc, autre chose que je voudrais mesurer, c'est est-ce que les bobines sont continues? Est-ce qu'elles ont flambé, cramé, etc. Donc, est-ce que j'ai dû... est-ce que j'ai continuité dans mes bobines? Ouais, et là... Ouais, donc les deux bobines sont bonnes. C'est vrai que là, j'ai pas l'impression de voir beaucoup de causes de problèmes. Je vais plutôt brancher ça dans une de mes alimes de labo. Parce que j'aimerais bien voir, en fait, pourquoi est-ce que ça me sort rien du tout. Donc l'avantage des alimes de labo, c'est que je connais la consommation en courant de ces machines. Hop, donc on va pas se gourer, le centre est négatif. Sur les tensions, on est à 9 volts. Les courants, on est quasiment à zéro, c'est sûr. Qu'est-ce qu'elle me dit, mon alimentation? Rien. Elle me dit rien. 3 days later. Je me suis permis de couper la caméra le temps de faire quelques modifs. On m'a dit qu'il y a du 12 volts qui arrive dans la pédale, en fait. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dessoudé, donc... Alors les deux résistances de 10 ohms qui permettaient de lier et de filtrer le circuit, les deux bobines, parce que 20 000 émus les retirer, et la puce, donc ça c'est le circuit intégré, qui servait à faire la conversion entre 9 volts et 2 fois 15 volts, enfin du coup plus 15 volts et moins 15 volts en l'occurrence. Et j'ai juste patché des résistances de 10 ohms pour faire un peu patch, la masse, j'ai connecté mon alim de labo et la pédale remarche, donc j'ai tout tester, ça fonctionne. Le high cut a l'air bizarre, donc à tester une fois que ça sera remis. Il faut que je commande un convertisseur 9 volts vers plus et moins 15 volts. Alors ça, il y en a sur Farnell à 8,50 pièces, donc sans la TVA, ça remonte à 10 euros lorsqu'on la rajoute. Bon, ça fait un peu cher, mais je vais faire passer ça sur la boîte, c'est pas très grave. Et puis voilà, ça me permettra de réparer la pédale et de la revendre éventuellement derrière. Donc ça m'a permis de continuer à apprendre comment bien réparer les trucs et tout. Donc ça sera un convertisseur traversant que je vais monter ici, que je vais coller d'une certaine manière. Alors peut-être avec un point de colle chaude, quelque chose comme ça, vers là. Et je vais juste venir replier les pattes sur les pattes qu'il faut sur le convertisseur. En attendant, la pédale remarche, et donc le problème vient bien de la section d'alim. Ce qui est chiant, c'est que j'aurais bien voulu remplacer la puce. Merci la moto. J'aurais bien voulu remplacer la puce, mais... bon, déjà, elle est minuscule. Alors ça, c'est bon. J'ai la machine à air chaud qui m'a permis de la dessouder, ici, que j'aurais pu réutiliser pour la ressouder. Mais le problème, c'est que cette puce, elle est plus fabriquée. Les convertisseurs DC-DC, ils en sortent tellement souvent, tellement des mieux, des plus performants, qu'en fait ils sont obsolètes quasiment dans l'année de leur sortie. C'est assez horrible. Il y a plein de puces numériques comme ça, c'est valable pour les microcontrôleurs, pour tous les convertisseurs de puissance. Il y a plein de puces qui restent pas, qui changent complètement. Et là où on a des ampli-ops qui datent des années 70, comme le LM741, et ben en vrai, bah, pour toutes ces puces-là, on n'a quasiment jamais de remplaçant direct. Voilà, donc encore un petit peu de travail avant de la refaire marcher, puis il faut que je teste le high cut pour voir si ça fonctionne bien. Et la pédale est réparée, comme vous pouvez le voir, c'est pas ultra propre non plus. J'ai remis un condensateur de 100 microfarads en entrée, juste pour être sûr que ça soit bien filtré, ça peut pas faire de mal. Résistance de 10 ohms, du coup, la masse est reliée ici, c'est fixé bah, avec de la pâte à fixe en l'occurrence, ce qui est pas terrible, mais le fait qu'il y ait des soudures va le maintenir en place aussi, donc... Même une fois mis en boîte, ça partira pas, et surtout je peux placer un petit pad dessus si j'ai envie, en collant un petit truc, juste pour le remettre dans sa boîte pour que ça fasse pression et que ça bouge jamais quoi. Donc j'ai retesté, ça fonctionne. Le high cut en fait est très très subtil, comme d'habitude avec MXR, les petits boutons comme ça parfois ont des effets extrêmement subtils, ça me choque pas tellement, du coup elle est réparée et je vais pouvoir la remettre en boîte. J'ai pas précisé, mais le petit module qu'il y a ici, le Traco Power TMR1-1223, c'est un convertisseur 9 volts vers plus ou moins 15 volts avec 33 mA de courant maximum admissible dans les branches. Du coup, vu que la pédale consomme rien, c'est juste un ampli-op et genre deux transistors, ça doit consommer 6 mA à tout péter. Allez, 10 si on veut être gentil. Ça, il n'y a aucun souci, ça marche très bien et ça convertit bien les 9 volts de ma pile en plus ou moins 15 volts. Il n'y a pas de problème là-dessus, du coup, voilà, je voulais juste vous donner la référence. Ils ont aussi des modèles... différents. Celui-là, du coup, il est rated pour du 12 volts nominal, mais il descend jusqu'à 9. Et il monte, je crois, un peu au-dessus, genre 13 ou 13,5.
Il y en a d'autres qui existent, ce que j'ai regardé, puisque je m'intéresse à ça en ce moment pour faire des petites pédales avec des boosts internes. Il y en a qui malheureusement descendent pas aussi bas, 12 volts nominal et minimum 10 volts 5. Donc si on met une pile, ça marchera pas. Il coûte un peu cher, il coûte 10 euros, mais bon, il faut mettre un peu d'argent des fois. Thank you.
d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, partagez ça avec vos amis, guitaristes. Vous verrez que c'est pas si difficile de réparer des pédales quand c'est un petit peu au chercher. Il y a beaucoup de forums pour discuter de ça. Donc n'hésitez pas non plus à rejoindre le groupe Pédale d'effet Do It Yourself, donc sur Facebook. On est assez nombreux à travailler tout simplement, que ce soit pour de l'électronique, certains électroniciens sont pros. Voilà, il y a du monde sur ce groupe et on est ouvert à tous nouveaux arrivants qui aimeraient réparer ou fabriquer ses propres pédales. En attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo, à la partager avec tout le monde.